Des programmes de soutien à la vitalité commerciale seront bientôt disponibles pour les commerçants du Vieux-Saint-Jean. Le conseil municipal est en voie d'adopter un règlement à cet effet. Ces programmes sont conçus pour soutenir et stimuler le développement économique ainsi que l'investissement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils sont offerts aux gens d'affaires et propriétaires immobiliers commerciaux du centre-ville. Les nouveaux programmes s'appliqueront sur les rénovations des façades et les locaux commerciaux au rez-de-chaussée et s'ajoutent donc à ceux déjà existants concernant les enseignes et les esquisses. Pour la coordonnatrice de la division du développement économique à la Ville, Sophie Latour, ces programmes viendront donner un sérieux coup de pouce aux commerçants. Ça va lui amener un renouveau. Donc, c'est certain qu'au niveau de fidéliser sa clientèle, au niveau d'être plus attractif, d'attirer une nouvelle clientèle, bien, c'est certain que ça, c'est une plus-value, une valeur ajoutée, là. Puis, bien, ça va permettre aussi au niveau de l'offre commerciale, ça peut être l'occasion pour lui de se repositionner dans le marché, là. La division du développement économique disposera d'une enveloppe annuelle de 140 000 $ et ce, pour une période de 5 ans. Le soutien financier maximal sera de 50 000 $ par immeuble pour les façades, 15 000 $ pour les locaux et 2 500 $ pour les enseignes. Le propriétaire immobilier commercial doit bien sûr faire sa part en investissant 66 % des coûts des travaux pour les deux premiers volets et 50 % pour les enseignes. À cela s'ajoute un crédit de taxe pour les immeubles commerciaux qui s'applique pour une période de 5 ans et ce, sous certaines conditions. Le conseiller municipal du secteur, Philippe Lanier, croit que ces programmes viendront changer l'image du Vieux-Saint-Jean. D'abord, c'est un précédent dans notre quartier, donc dans le Vieux-Saint-Jean, pour aider les commerçants qui sont en place et en attirer des nouveaux qui voudraient s'implanter dans le quartier. Et ça va favoriser l'implantation de nouveaux commerces, la revitalisation du quartier et un renouveau du visage urbain, bien entendu. Le territoire assujetti au programme de soutien est celui du plan particulier d'urbanisme qui englobe principalement le secteur des rues Duquet, Richelieu et Champlain, entre les rues Frontenac et Saint-Paul. Les nouveaux programmes seront en vigueur le 28 mai.